Le procès d'Elsa pour trafic d'organes se poursuit et l'accusé entretient toujours une relation secrète avec le juge Revel. Karim ne se doute de rien et propose même une cavale à Elsa. Cette dernière refuse, ce qui ravit son amant qui continue de jouer avec le feu. De son côté, Allison se rapproche de plus en plus du père de la jeune fille dont elle porte le foie. Abdel juge cette relation malsaine. Au commissariat, Patrick est ravi de devenir grand-père. Mais une nouvelle affaire de cambriolage va venir perturber son bonheur. Lola de retour au lycée grâce à Estelle, Nathan parvient à retrouver la trace de Sabrina. L'ancienne serveuse du Mistral, à la rue, se bat pour survivre. Quant à Lola, après son discours historique, elle finit par descendre de son arbre et fait son retour au lycée, où elle est accueillie en véritable héroïne. L'info en plus, Cyril Ferraud a révélé dans Les Enfants de la télé, France 2, qu'il fera une apparition furtive dans un épisode de PBLV. Un moyen pour lui d'assurer la promotion de son émission Musique en fête, qu'il présentera le 18 juin prochain sur France 3.